Les manuscrits de la Mer Morte, parfois conservés dans des jarres, également appelés manuscrits de Qumran, sont un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus, principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec, mis au jour principalement entre 1947 et 1956, à proximité du site de Qumran, en Palestine. La découverte de ces quelques 970 manuscrits, dont il ne reste parfois que d'infimes fragments copiés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, a été faite dans 12 grottes où ils avaient été entreposés. Parmi les documents découverts figurent de nombreux livres de la Bible hébraïque. Ces manuscrits présentent un intérêt considérable pour l'histoire de la Bible. La visite nous amène à suivre le tracé d'un système d'alimentation en eau qui drainait les eaux de pluie sur les monts de Judée jusqu'au cœur de la communauté. Ce système, qui alimentait les bains rituels et les citernes, était vital dans cette zone qualifiée de désert à l'ombre des pluies.